Notre périple australien débute à Canberra. Le pays s'est choisi une drôle de capitale, paisible et martiale à la fois. La ville a été baptisée juste avant la Première Guerre. Sur Anzac Parade défile un siècle de conflits. Europe, Afrique, Corée, Vietnam, les diggers sont combattus dans le monde entier. Canberra, la bouche capitale, comme on la surnomme, les honore. Un musée domine la cité, l'Australian War Memorial. Trophées et souvenirs y sont précieusement conservés. Cette arme impressionnante est le canon d'Amiens. En 1918, les Allemands l'utilisèrent pour tirer sur la cité picarde. Il fit des centaines de victimes et détruisit de nombreux bâtiments. Les Australiens s'en emparèrent, ils décidèrent de le ramener au pays comme un trophée. Ils firent de même pour des milliers d'objets collectés dans le nord de la France. Ils sont exposés à l'Australian War Memorial. Les Australiens n'ont pas peur des souvenirs imposants. Un char de la Première Guerre, un bombardier de la Seconde. La mémoire se fait spectaculaire ici à Canberra. Les conflits ont été gagnés grâce à des bombes technologiques. Au hasard des vitrines, on découvre aussi la lutte à mort dans tout son archaïsme. Protection de tranchées surgit du Moyen Âge, lame aiguisée pour infliger des blessures fatales, la guerre est sale. Et puis tout à coup, une étincelle d'humanité. Sur cet uniforme, la boue de la Somme figée depuis 100 ans. This is a uniform by Private George Giles of the Australian Imperial Force, collected on the Western Front by the Australian historian Charles Bean in 1918. It's an extremely unique object because it has the Somme mud on the uniform. And Charles Bean also took a photo of Private Giles, which you can also see. And you can see the mud on the same spot in the uniform, the creases on the uniform. It's exactly as the uniform looked 100 years ago. Charles Bean est le fondateur de l'Australian War Memorial. Ce journaliste a suivi les divisions des antipodes au gré de leurs engagements. Ses articles ont forgé la légende de ses combattants. Gallipoli, Pozières, Fromel, Bulcourt, l'opinion a découvert les soldats de l'ANZAC, le corps australien et néo-zélandais. ANZAC, un acronyme devenu fameux. Les fantassins, eux, se donnaient un autre nom, Digger. I guess it's the equivalent of the French poilu, the American GI. The digger is simply the name of the poor bloody infantryman who does all the hard work, takes all the casualties, and lives among his mates. Tous les jours, un de ces combattants tombés au bout du monde est honoré lors d'une courte cérémonie, le Last Post. L'histoire de Leslie Anderson est racontée ce soir. Ce caporal est mort en Belgique en 1917. Il n'y a pas de descendants présents, pourtant l'émotion est palpable parmi les visiteurs. Je suis toujours émue. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors je suis émue militairement aussi. Alors c'est toujours une cérémonie qui me touche. Oh, it was very emotional. Yes, I used to be in the army a long time ago, and I'm very proud Australian. It's fantastic to remember the thousands of people that gave their time and their lives for a great country. L'Australian War Memorial et Canberra sont l'épicentre de l'Anzac Spirit, cet esprit de l'Anzac vanté par les politiques. Camaraderie forgée dans le sang, devenue légende d'une nation. I'm a walker this way.